Prince, bonsoir. Aujourd'hui, on a en direct Alimuddin Ousmani, journaliste suisse, auteur de La Grande Invasion, aux éditions Contre-Culture, un livre au contenu inédit et inquiétant sous l'invasion migratoire. Je commencerai avec une question que probablement tout le monde se pose. Où va-t-il s'arrêter cette invasion? C'est-à-dire, quel est selon vous le plan de l'invasion migratoire? Par exemple, c'est de vider des continents entiers en Europe, de rendre les Européens aux minorités. Quel est les plans finaux de cette invasion? Alors bonjour Massimo, merci de me recevoir. Il y a effectivement une volonté de submerger l'Europe vieillissante avec des populations provenant d'Afrique et d'Asie qui possèdent une natalité beaucoup plus dynamique que chez nous. Il y a bien entendu une volonté de la part de ces populations extra-européennes, composées très souvent d'hommes dans l'âge de la prédation sexuelle. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Allemagne où il y a beaucoup d'agressions de la part de requérants d'asile qui viennent d'Afghanistan ou bien de sociétés beaucoup plus conservatrices que les nôtres. Donc il y a une volonté de venir en Europe, mais je dirais que leurs motivations sont très diverses, elles sont individuelles, elles ne sont pas organisées. On ne peut pas vraiment les blâmer pour ça, parce que finalement ils saisissent des opportunités qui leur sont offertes. Mais donc ces personnes sont soutenues par une diversité d'acteurs dont nous allons parler au cours de cette émission. Elles sont soutenues dans leur entreprise migratoire. Elles ne pourraient pas le faire, cette entreprise toute seule. C'est pas un phénomène inéluctable ou naturel comme on cherche souvent à nous le faire croire. À mon avis, le plan n'est pas celui d'un grand remplacement. J'aime pas tellement ce terme parce que c'est un terme de Renaud Camus. Il n'est pas connu pour avoir comme projet de faire des enfants, donc est-ce qu'il est le mieux placé pour parler de grands remplacements quand il n'y contribue pas lui-même? Donc moi je préfère celui de métissage ou de cohabitation forcée, avec des populations souvent inadaptées ou inassimilables. Donc ça c'est un peu le projet. Donc ce plan, il se déroule de façon accélérée depuis quelques décennies. En France, on peut retenir la mise en place du regroupement familial, donc dans les années 70, mise en place par sous Giscard et Chirac. De manière générale, ce plan a beaucoup plus de succès dans les pays d'Europe occidentale que dans les anciens pays communistes. Si vous allez dans les rues de Paris, Bruxelles, Londres, vous constatez quand même qu'il y a une population extra-européenne très importante dans les rues, c'est assez flagrant. Tandis que si vous allez à Prague, Varsovie ou Budapest, vous ne voyez pratiquement pas de population extra-européenne. Je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai des origines diverses. Je suis né en Suisse, mais je suis moitié pakistanais, moitié tchèque. Et je connais bien la République tchèque, donc j'ai une attache ethnoculturelle avec ce pays. Et Prague est la ville la plus cosmopolite, mais vous vous baladez partout et puis vous voyez pratiquement pas d'extra-européens. C'est très, très frappant, en fait. Alors que c'est la ville la plus cosmopolite de République tchèque. Il y a un véritable changement de population dans les pays d'Europe occidentale. Donc ce plan, il fait quand même face à des résistances, surtout dans les pays qui connaissent une faible immigration et qui sont conscients des expériences de ghettoisation chez leurs voisins. Donc si vous allez à Bruxelles, Vous constatez qu'il y a beaucoup de femmes voilées dans les rues. Pourtant, moi, je suis issu de culture musulmane. Non, mais j'étais allé en 2007 à Bruxelles et je voyais des femmes voilées partout dans la rue. Puis ça m'a quand même interpellé. Je me suis dit pourquoi, en fait.
En plus, oui. L'Europe occidentale devrait être plus difficile à atteindre que l'Europe orientale, qui s'est entrepris à la porte de l'Europe. Donc, c'est curieux que dans des pays de l'Europe du Nord, il y a plus d'immigrés que dans des pays qui sont plus près des frontières européennes. Ah oui, justement, moi, j'étais une fois à Kiruna, au nord de la Suède. Donc c'est à l'intérieur du cercle polaire. Et je voyais des mendiants roms, des réfugiés d'Afrique, en fait, au nord du cercle polaire, ce qui était totalement incompréhensible, en fait. Et ça n'a aucun sens, en fait. Bon, il faut savoir que la Suède a reçu 160 000 migrants, enfin demandeurs d'asile en 2015. Hein. Pour une population de moins de 10 millions d'habitants, c'est énorme. Hein. Bon, ça ne s'est pas renouvelé chaque année, mais bon, et après ils ont dû répartir et puis ils sont. Et ça fait qu'il y a des réfugiés africains au nord du cercle polaire. Et selon vous, quelle année les créer des esclaves en Europe, déclencher des guerres civiles ou créer une culture mondiale en forme? Donc, vous parlez des buts de l'invasion. Hein. Les buts, oui, de l'immigration massive. Bon, alors, cette immigration de masse, elle favorise la venue d'une figure qu'on appelle le nomade parasite. Hein, donc, c'est un but assez pervers. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les immigrés dans le même sac. Ils ont des motivations très diverses. Il y en a qui s'intègrent bien et puis qui travaillent, mais il y en a d'autres qui viennent dans une démarche de pur parasitisme. Alors justement, on favorise cette venue du nomade parasite et ça a pour fonction de détourner la colère du peuple, car celui-ci, il est agacé par la délinquance de proximité, la délinquance qui le touche, c'est-à-dire la petite délinquance. Ainsi, ce petit peuple, il ne voit pas les responsables qui sont de la haute délinquance en col blanc. J'ai vu une vidéo de Russia Today récemment sur les quartiers nord de Paris, où ces quartiers sont en proie au deal, au vol, aux bagarres. Vous voyez des migrants qui se tapent dessus. C'est un spectacle hallucinant pour insupportable pour les riverains, les commerçants, et même pour les immigrés de plus longue date, qui africains ou autres, qui ne sont pas d'accord avec cette petite délinquance qui pourrit la vie. Donc cette immigration de masse, elle sert avant tout à détourner la colère des petites gens. Bon, en voyant ce qui se passe avec la révolte des gilets jaunes, on peut dire que le peuple français n'est pas complètement tombé dans le piège de l'oligarchie, car il se révolte avant tout contre les élites. Donc ça n'a pas complètement marché hein, pour la France. Le parasite du haut et le prédateur du haut, ils favorisent la mise en place du prédateur du bas et du parasite du bas pour s'en servir comme bouclier pour la crise. Hein, donc c'est ça. Il y a également un autre but qui est de favoriser la venue de nouveaux consommateurs. Tous ces gens qui vont vivre de l'assistanat, ils représentent de nouveaux consommateurs. Bah, ce qui fait le bonheur de certains, hein, de certaines entreprises ou de particuliers qui ont un intérêt dans ce business de l'immigration. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la privatisation des gains et la socialisation des pertes. La classe moyenne va payer la facture, hein, elle va payer les aides sociales, tandis qu'une petite élite, elle va tirer les marrons du feu. Bah, peut-être une petite partie de ces immigrants sont employables, ils les sous-payeront. Donc, eux aussi, ils vont se satisfaire de leurs besoins de consommation. Donc, un individu dont l'identité est détruite, est beaucoup moins susceptible de se révolter contre le pouvoir profond. Le consommateur apathique, qui ne peut se revendiquer d'aucune identité en particulier, est beaucoup plus désarmé, justement parce qu'il est dans une logique de consommation. Et il ne pense plus à grand-chose d'autre, et surtout pas à la préservation de son identité.
Selon vous, est-ce qu'ils seront créés des enclaves en Europe au fil de... Alors, il y a déjà des ghettos, en fait, si vous allez à Malmö, en Suède, à Bruxelles, même à Paris. En fait, il y a déjà des sociétés parallèles hein, qui sont mises en place dans des grandes villes d'Europe occidentale. Alors évidemment, les migrants, ils n'aiment pas trop aller dans des petits villages parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver avec leurs semblables. Alors ce qui paraît aberrant parce que vous entendez des histoires de migrants qui viennent... qui viennent en Suède et bon, ils les transportent dans un petit village au milieu de la forêt, bon d'accord, où il y a peut-être peu d'infrastructures, mais bon, ils leur assurent un logement, la nourriture, une éducation. Et malgré ça, en fait, alors ils commencent à se plaindre et puis ils repartent des fois même dans leur pays où ils sont censés avoir été persécutés. Donc là, on a vraiment affaire un peu à une escroquerie en fait. Il y a un total dévoiement du droit d'asile en fait. Quelqu'un qui fuit une persécution, il ne va pas pinailler parce qu'il s'ennuie ou bien il ne peut pas être dans une ville où il peut côtoyer un grand nombre de ses compatriotes, comme à Berlin, Paris, à Stockholm. Qui sont les acteurs de cette immigration massive? On parle des ONG, de Merkel. Ouais. Alors, les deux premiers chapitres de mon livre, ils sont consacrés à George Soros et à Angela Merkel. Donc j'ai pris la peine de traduire des interviews de ces deux personnages clés, qui ont favorisé l'immigration massive pour montrer à quel point ils sont étrangers aux préoccupations des petites gens hein, ou de leurs électeurs. Soros, c'est vraiment le personnage qui a investi une partie de sa fortune pour favoriser la venue massive d'immigrants en Europe. Donc dans ses interviews, il ne cache même pas son idéologie, il reproche aux Européens de ne pas accueillir assez de migrants et il consacre ses milliards à la venue de migrants. J'ai même lu un article où le gouvernement hongrois dénonçait le fait que l'Union européenne fournissait des cartes de crédit anonymes aux migrants. Alors c'est totalement illégal. Normalement, un citoyen européen, il doit il peut pas avoir une carte anonyme, donc il y a une sorte d'exception. On se demande pourquoi, en fait, le gouvernement hongrois, qui est un peu le modèle d'insoumission qu'on a tous en tête, il dénonce un peu cette escroquerie. Il pense que c'est pour favoriser l'immigration massive en Europe. Hein. Donc il y a des ONG pro-immigration qui ont reçu un financement de près ou de loin de la part de l'Open Society Foundation de George Soros. Alors, dans mon livre, je parle de Global Detention Project, qui parle de la détention de migrants et qui dénonce la détention de migrants. Pourtant, ces migrants sont illégaux, ils sont détenus en vue d'être déportés et cette ONG, elle dénonce ça. Hein, d'accord ? Il y a Amnesty International qui est très impliqué aussi. Donc Merkel, elle a joué un rôle décisif dans la venue de migrants en 2015. Alors qu'il aurait fallu envoyer un signal fort pour stopper cet afflux, elle a encouragé à plusieurs reprises les migrants à venir en Europe. Vous vous souvenez tous probablement de ses discours où elle disait « Wir schaffen das, nous y arriverons ». Et ensuite, elle a cherché à imposer les quotas aux pays un peu récalcitrants, hein, notamment les pays d'Europe centrale. Donc c'est comme si vous étiez victime d'une inondation dans votre appartement, et après, vous, au lieu de chercher à résorber l'inondation, vous cherchez à répartir l'eau dans tout l'immeuble. C'est un peu la logique d'Angela Merkel. Donc, je consacre également un chapitre aux ONG en Méditerranée. Alors, la plus connue, c'est SOS Méditerranée avec l'Aquarius, qui
des parquets jusqu'à il n'y a pas longtemps, une énorme quantité de migrants sur les côtes italiennes. Donc maintenant, la donne a un peu changé avec Matteo Salvini, hein. Donc il a empêché, il a mis un coup d'arrêt. Enfin, l'Aquarius ne peut même plus opérer, mais attends, il y a d'autres ONG allemandes qui essayent, à travers Malte, l'Italie ou même l'Espagne, hein, avec Pedro Sanchez qui était assez ouvert, mais maintenant c'est vrai qu'il doit faire face à Vox, qui est un parti nationaliste espagnol qui a justement gagné beaucoup de voix grâce ou à cause de Sanchez. Hein. Bon, en France, je pense à plusieurs personnalités promues par les médias. BHL, Bernard-Henri Lévy, Raphaël Glucksmann, Bernard Kouchner, Jacques Attali. Les gens comme BHL, ils cherchent à islamiser l'Europe tout en faisant en sorte que les Européens détestent les musulmans. Donc ils favorisent à la fois leur implantation et à la fois leur détestation. Ils s'en servent un peu comme ferment du chaos. C'est pour ça qu'il faut refuser ce piège tendu par les manipulateurs. Et puis, quand on parle d'islamisation, il faut aussi voir qui se cache un peu derrière ce plan. Quelle solution serait envisageable? On a parlé de rémigration, de soutien, d'accord de partenariat économique avec les pays de provenance. Et nous, on se concentre vraiment sur ce qui se passe en Europe occidentale. Et la question de la gestion des flux migratoires et de l'immigration, c'est une question politique. Hein. On aurait tout à fait les moyens de régler la question s'il y avait une volonté politique en haut lieu. Hein. On a bien eu les moyens de faire tomber Kadhafi ou Saddam Hussein. Hein. Il faut se demander pourquoi l'oligarchie mondialiste veut exister par le chaos à ce point-là. Pourquoi elle cherche à détruire les peuples et les nations et à les métisser de force. Alors l'oligarchie, elle cherche à horizontaliser les haines et les violences parce qu'elle a bien compris qu'elle pourrait se maintenir et nous imposer son système uniquement à ce prix-là. Hein. Elle cherche à augmenter la présence de parasites du bas pour cacher le parasitisme du haut. C'est l'espèce d'union sacrée des nomades parasites contre les producteurs sédentaires. Tant que nous n'aurons pas mis hors d'état de nuire les prédateurs parasites nomades du haut, tant qu'ils ne seront pas écartés du pouvoir politique, il ne sera pas possible de régler la question des prédateurs nomades du sous-prolétariat. Donc l'arrêt de l'immigration et la remigration ne peuvent s'effectuer qu'à cette condition-là. Effectivement, il faut une volonté politique, même au niveau européen, unitaire, c'est-à-dire que tous les pays européens coopèrent, et aussi probablement des accords de partenariat, des accords internationaux avec les pays de provenance. D'ailleurs, il y a dans les pays de destination un soutien considérable des États, par exemple en France, mais pas seulement. Peuvent-ils les migrants survivre en Europe sans les aides des États, c'est-à-dire les logements, les enfants, l'école, la santé gratuite, etc. Alors évidemment que leur présence, elle n'est possible qu'à l'aide des systèmes sociaux en Europe. Hein. Les migrants ne cherchent pas à demander l'asile dans les pays d'Europe centrale ou des Balkans, parce que l'aide sociale, elle y est beaucoup moins généreuse qu'en Europe occidentale. Pourtant, ils y seraient en sécurité. Hein. Je veux dire, il n'y a pas la guerre en Europe. Mais c'est un peu l'asile à la carte. Hein. Je veux dire, ah, je vais aller dans l'État qui offre la meilleure. Bon, on le voit, bon, il y a un chapitre sur les Érythréens. Tous les Érythréens ne sont pas des gens qui cherchent l'aide sociale, mais un certain nombre de jeunes ont entendu parler, voilà, de la Suisse, de la Suède, de l'Allemagne qui donnaient des prestations sociales généreuses, donc il n'y a pas besoin de travailler. Alors ils se disent, ils se sont passé le mot, donc ils se disent, on peut aller là-bas
Et il y a même des cas où il y a des Érythréens qui viennent, qui reviennent en Érythrée pour chercher une épouse, hein, donc dans le pays qui est censé les avoir persécutés. C'est assez dérangeant. La dictature communiste, hein, donc après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 89, paradoxalement, elle a contribué à préserver l'homogénéité ethnoculturelle dans ces pays. Hein. Comme j'avais dit avant, vous allez à Prague, Varsovie, Budapest, Bratislava, vous avez des sociétés homogènes, alors que à Paris, Londres, Stockholm ou Bruxelles, ben, c'est très très mélangé. En fait, dans ces pays communistes, il n'y avait pas de libéralisme qui faisait venir des travailleurs immigrés déjà pour peser à la baisse sur les salaires. Hein. Dans les pays capitalistes d'Europe occidentale, par contre, la religion des droits de l'homme a été véhiculée un peu par la propagande maçonnique. Hein. Ça, il faut le dire, dans les pays communistes, bah, ils étaient brimés, ils ne pouvaient pas trop agir. Hein. Donc, de manière globale, la population en Europe occidentale est beaucoup moins hostile à l'immigration de masse que dans les anciens pays communistes, où les gens ont beaucoup plus à perdre, en fait, finalement. On pourrait dire qu'une partie des gens en Europe occidentale vit trop bien, hein. Pas tous, hein. On voit avec les gilets jaunes que c'est pas le cas, mais donc ils perçoivent pas le migrant comme un concurrent ou une menace. Tandis que dans les pays d'Europe, en Europe centrale ou dans les Balkans, ils sont beaucoup plus méfiants et ils tiennent à garder leur liberté et puis à un certain niveau de vie, en fait, et pas sombrer. Voilà. Et quelle est la situation des ONG en Méditerranée? Parce que en fait, la majorité des migrants vient d'Afrique du Nord, donc il va forcément passer par la Méditerranée. En fait, bon, la majorité des migrants vient plutôt de pays subsahariens. Hein. On a des Gambiens, des Maliens, des Soudanais, des Érythréens, des Éthiopiens, hein, une petite partie aussi d'Afrique du Nord. Donc les ONG en Méditerranée sont un peu sous pression depuis que Matteo Salvini est aux commandes. Hein. Donc on a l'Aquarius qui a eu des problèmes judiciaires, hein, et qui ne peut plus opérer. Mais il y a des ONG allemandes qui essayent tant bien que mal de faire venir ces migrants en Europe. Quand on écoute le discours de ces ONG, on est vraiment frappé par leur aveuglement. Pour elles, il n'y a quasiment aucun migrant économique, il faut tous les faire venir. N'importe quel migrant qui arrive en Europe, il peut déposer une demande d'asile et puis être accepté. Ce qui est assez aberrant comme politique. Ouais. Et donc ces ONG, donc elles sont sous pression, mais elles n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et il faut être vigilant. Donc voilà. Donc ce qui concerne les Érythréens, on en parle assez rarement. Donc c'est une chose qui est assez inédite sur ce thème. Quelle est la situation en Érythrée? Alors. Donc, bon, en Érythrée, c'est une autocratie marxiste. Donc, il y a un service militaire obligatoire. Et beaucoup de jeunes fuient le pays. Donc, il y a quand même une hémorragie parce que c'est un pays de 6 millions d'habitants. Et beaucoup de jeunes cherchent à venir en Europe. Bon, déjà parce qu'ils ont... Alors, dans les années 80, ils ont commencé à venir, mais ils étaient très peu. Mais une fois qu'il y a eu une implantation dans certains pays, ils ont commencé à se passer le mot et à venir en Suisse, en Suède, en Allemagne principalement. Donc en Érythrée, alors les défenseurs des migrants érythréens,
disent que c'est un régime inhumain, qu'ils sont emprisonnés. Le problème, c'est que le gouvernement érythréen est très, enfin, est assez critique par rapport à cette donne. Donc, ils soupçonnent que les pays occidentaux attirent les jeunes migrants dans un but d'invasion un peu. Je crois qu'il y a même une ministre érythréenne qui faisait une comparaison un peu hasardeuse. Elle disait que si vous mettez un bout de viande en face d'un chien, bah, il va traverser la rivière, évidemment. Bon, elle comparait ses propres ressortissants à des chiens, ce qui est un peu contestable, hein. Mais il y a clairement, en fait, une filière qui favorise enfin, l'émigration en Europe, hein. Donc c'est une question d'opportunité. Quelle est la fausse notion de racisme dont vous parlez dans votre ouvrage? Bah, il y a l'antiracisme authentique, je veux dire, qui est une question tout à fait légitime. Enfin, le racisme devrait être dénoncé. Si on agresse ou on déteste quelqu'un juste uniquement à cause de son origine, c'est pas acceptable. Mais il y a l'antiracisme institutionnel qui a été mis en place sous Mitterrand. Bah, c'était pour masquer la question sociale, on a mis une question raciale. Et donc ces ONG utilisent l'antiracisme pour criminaliser toute opinion qui critique l'immigration. Donc il faut vraiment se méfier de ce discours d'antiracisme institutionnel qui n'a rien à voir avec l'antiracisme authentique. Quel est le rôle et notamment les techniques des médias pour favoriser l'immigration massive? Bien sûr, il y a des campagnes qui essayent de faire approuver ces politiques d'immigration massive. Alors, bon, les médias institutionnels, ouais, ont un discours très pro-immigration. Donc, si vous regardez les reportages de France 24 ou même de la RTS en Suisse je sais pas, en Allemagne, les chaînes institutionnelles ont un discours très pro-immigration. Il y a un déséquilibre, ils donnent beaucoup plus la parole à des ONG pro-immigration qu'à des critiques de l'immigration, alors que normalement le service public devrait faire un équilibre, donner la parole aux uns aux autres, mais elle ne remplit pas du tout sa fonction, alors que dans la population, les sentiments sont pour le moins mitigés face à cette question de l'immigration. Donc elle ne représente pas la population. Alors ça, il y a des raisons à ça. C'est vrai que les journalistes institutionnels ont souvent évolué dans un milieu universitaire, bobo, très uniforme. En fait, ils pensent souvent tous la même chose, c'est ça. D'où le succès maintenant des médias de réinformation qui proposent un autre discours, en fait, sur l'immigration. La position de l'Hongrie et de l'Europe de l'Est, qui ont été parmi les premiers pays à organiser une résistance contre l'immigration indiscriminée, c'est-à-dire l'immigration massive. Alors, la Hongrie, c'est un peu la figure de proue contre l'immigration. Donc, elle a érigé une barrière physique. C'est vrai que si vous vous souvenez des images en 2015, les gares de Budapest étaient envahies de migrants qui cherchaient plutôt à rejoindre l'Allemagne, en l'occurrence. Mais bon, il y avait un certain chaos. Et la Hongrie a décidé de ne pas jouer le jeu de cette immigration qui est sponsorisée par Soros,
Et elle a décidé de prendre les choses en main et puis de mettre une barrière physique. Donc, donc le groupe de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie ont mis de côté leurs différences, parce que la Slovaquie et la Hongrie à cause de vieilles histoires, le traité de Trianon, il y a des populations hongroises qui vivent sur le territoire slovaque, qui revendiquent leur appartenance à la Hongrie, donc ça cause des tensions, mais là, les tensions sont vraiment dissipées, elles ont décidé de s'organiser, de résister. Alors, ouais, toutes les classes politiques confondues sont plutôt contre l'immigration de masse. Si vous regardez les communistes tchèques, ils ont un discours très anti-immigration. Alors que la gauche européenne est pro-immigration. Il n'y a rien à voir entre Besancenot et puis le parti communiste tchèque. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 80, Georges Marchais avait un discours anti-immigration. Parce qu'en fait, finalement, ces partis ne veulent pas se détacher du peuple. Ils n'ont pas encore trahi leur électorat, comme c'est le cas en Europe occidentale, en France en particulier. Donc le Parti communiste français, ou bien... Alors, Mélenchon arrive à se maintenir un petit peu, mais parce qu'il a un peu renouvelé son discours. Mais voilà, il n'est pas encore à un niveau si élevé que ça, en fait. On voit l'efficacité de coordonner les politiques des plusieurs pays. Donc, quand il y a des politiques coordonnées, l'immigration est réglée. Ce qui est fait d'ailleurs par l'adversaire au niveau du pacte mondial sur l'immigration, qui voudrait imposer des politiques coordonnées favorables à l'immigration massive. Quel est le point sur ce pacte mondial et les possibles conséquences sur l'Europe occidentale et l'Europe orientale? Alors, sur le papier, en fait, ce pacte mondial sur l'immigration prétend lutter contre l'immigration clandestine. Mais si on le regarde de près, on voit bien qu'il a envie de recadrer le discours sur la migration. Donc, il propose vraiment d'avoir une réflexion destinée aux médias qui devrait avoir, selon ce pacte, un regard différent sur l'immigration. Alors, malgré le fait que l'immigration, les médias occidentaux institutionnels sont très largement favorables à l'immigration, il faut croire qu'ils ne le sont pas assez. Et ce pacte mondial sur l'immigration, il s'adresse aussi aux médias de réinformation qui seraient. Qui n'ont pas adopté l'idéologie dominante à ce sujet. Il y a aussi une question d'un utilisateur. Comment lutter, c'est un peu polémique, comment lutter contre la grande invasion tout en gardant les dons d'hommes? Ne sont-ils pas contradictoires avec l'unité anthropologique nationale? Les dons d'hommes, c'est... font partie de la France. On peut pas renier la Martinique, la Guadeloupe, comme ça. Et même souvent, les gens des dom-tom sont contre l'immigration massive. Je crois que même les partis nationalistes à Mayotte avaient quand même été assez populaires. Donc, eux-mêmes, c'est une escroquerie un peu droit de l'homiste de faire croire que le sous-prolétariat immigré est favorable à l'immigration. Non, c'est pas vraiment le cas. Même dans les banlieues, pas seulement dans les Dom-Tom, mais aussi dans les banlieues, il y a des tensions certaines. Dernière question, est-ce que vous envisagez une solution pour les problèmes de l'immigration? Comment voyez-vous les futurs? C'est un futur de chaos généralisé, de conflits de cultures, ou c'est un futur où il y aura une harmonie entre les cultures, une collaboration entre les cultures, et aussi une unité territoriale?
C'est vrai que les sociétés très multiculturelles comme le Brésil et les États-Unis ne sont pas des exemples de réussite en matière de vivre ensemble. Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, mais donc il y aura quand même je pense que la différence entre les pays d'Europe centrale orientale d'un côté qui vont quand même se préserver de l'immigration parce que c'est pas facile quand même d'imposer à des populations comme ça des gens de l'étranger. En Europe occidentale, c'est un long processus. Il y a le contexte de l'après-guerre, les Trente Glorieuses, le regroupement familial. Il n'y a plus de fenêtre d'ouverture par rapport à ça. Les gens dans les anciens pays communistes sont très attachés à leur base ethnoculturelle. Et il y a une résistance, des fois même peut-être une exagération par rapport à l'immigration. Hein. Mais finalement, ils cherchent à se préserver et puis on ne peut pas leur donner tort. Disons que on peut parler d'un chaos organisé, d'un chaos géré. Donc peut-être que cette tendance change dans le futur. Écoutez, l'oligarchie travaille vraiment à déstabiliser. Donc, elles ont un agenda. Soros, ou bien ses successeurs, parce que je crois qu'il a un fils hein, qui va reprendre les manettes, travaille vraiment à détruire ces nations et ces peuples européens. Mais il y a quand même un espoir, la résistance s'organise. Même en Europe occidentale, il y a de l'espoir. Et finalement, même tous les immigrés ne valident pas en fait une politique débridée d'immigration. J'en suis la preuve. Je suis issu de cultures différentes, mais finalement, c'est pas parce personne ne choisit son lieu de naissance, mais c'est pas parce qu'on est fils d'immigré qu'on est redevable de quelque chose et puis qu'on doit valider une politique d'immigration insensée. Okay, merci Ali Mandine Ousmani et à la prochaine. Voilà, à la prochaine.